La reconquête de l'Afrique par les démocrates de l'Occident, radical défenseur des libertés fondamentales. Mais nous savons que le mensonge est sans fin, car en toile de fond, c'est une farce. Les compagnies minières, pétrolières, finançant des guerres avec l'argent des gouvernants actionnaires. Nous contribuons avec ces minables à cette mascarade du discours qui ne sert qu'à déstructurer l'être, esclave de la matière et de l'esprit qu'il génère. Les lucides sont rares, mais que ne ferait-on pas pour de l'or? Et la mort se met à table, se met à rire. Joli décor. C'est une source d'espoir pour les pauvres. Soutenons la démocratie en Afrique. Politiciens virus à la langue bien pendue. Hypocrisie vendue au milieu des tombes creusées pour leur vision du monde. Du présent et bien au-delà des siècles passés. Ils vomissent leur conquête, leur fierté. Mais ils ne sont que de vils serpents affilés à l'armada des sombres illuminés, divisant pour mieux régner. Donc, rendons grâce aux victimes innocentes afin que leur âme élève l'énergie de la terre. Rendons grâce, mes frères. Rendons grâce, mes sœurs. C'est vrai, je rends grâce quand d'autres s'engraissent et les bombes frappent en rafale. Le sang dont les médias raffolent, car la faux est sans faille. Quand l'église prêche le faux, au cœur de la bataille, seul les morts au bon dos. Normaliser l'horreur en se faisant passer pour des libérateurs, parce que l'armée n'est pas là pour l'aventure. Surtout quand ils planifient la terreur, qui revendique les terres sous tapis de corps. La situation est cœur, mes frères. Combien de meurtres? Combien de tonnes de matière? Combien nous coûte humainement cette misère? Dites-moi, combien de meurtres? Combien de tonnes de matière? Combien nous coûte humainement cette misère?